Un silence chargé en émotions dans le contexte des massacres perpétrés par le Hamas dans le sud d'Israël et la réplique de l'État hébreu dans la bande de Gaza. L'actualité en bref, c'est d'abord ce temps de prière interreligieux proposé par la communauté juive d'Épinal-Remiremont vendredi soir en la synagogue spinalienne avec des représentants des cultes chrétiens et musulmans ainsi que des élus. L'ensemble de l'auditoire a dénoncé l'obscurantisme et l'antisémitisme tout en rendant hommage au professeur assassiné à Arras. Un moment de concorde qui ne saurait faire baisser la vigilance, comme le rappellent ces menaces de mort et de destruction à l'encontre de la communauté juive et de la synagogue, proférées par téléphone samedi par au moins un individu identifié, arrêté, puis placé en garde à vue au commissariat d'Épinal. L'homme, connu des services de police pour des faits de droit commun, s'était présenté comme étant un Palestinien avant de proférer ces menaces réitérées à plusieurs reprises. Concentration, précision, Anaïs et Rose, c'est le tir sportif adapté. Elles ont participé ce samedi aux premières Olympiades handisport de la FMS à Remiremont, avec une trentaine d'autres résidents d'EHPAD et de foyers de personnes porteuses de handicap. La Fédération médico-sociale des Vosges compte très peu de sportifs licenciés au sein de ses 47 structures d'accueil et a souhaité leur faire découvrir des disciplines paralympiques. Curling, basket ou sarbacane, ces pratiques proposées par le comité régional handisport sont accessibles dans 9 clubs dédiés dans notre département. Plutôt dentelle ou paillettes, les futurs mariés avaient le choix ce week-end au salon Passion Mariage à Épinal. Une trentaine de boutiques spécialisées et entreprises de l'événementiel sont venues trouver de nouveaux clients. Parmi les exposants, les traditionnels traiteurs et fleuristes, mais aussi des plus insolites, comme ces artificiers vosgiens, une des nouveautés de cette 18e édition. Comptez au minimum 200 euros pour une prestation, somme qui peut peser dans les dépenses d'un couple, surtout en période d'inflation. Le budget moyen des Français est d'ailleurs passé de 11 000 à 9 800 euros en 2020. Ce salon aura attiré un millier de visiteurs sur l'ensemble du week-end, sachant que 2022, année de rattrapage post-Covid, a été exceptionnelle en la matière, avec 1300 cérémonies recensées dans les Vosges.